Ce mercredi 6 septembre, Wahima Chavez a fait une grosse mise au point sur Instagram après avoir été très mal à l'aise à cause de comportements intrusifs de fans. D'abord appréciée du grand public pour sa beauté, Wahima Chavez est aussi aimée pour sa franchise en toutes circonstances. Celle qui a été élue Miss France 2019 est encore aujourd'hui une personnalité présente dans les médias. Les aficionados de jeux d'aventure ont notamment pu la voir cet été dans Fort Boyard sur France 2 avec son compagnon, Nicolas Fleury. Une première en couple. Puis, la Tahitienne s'est envolée vers son île natale pour se ressourcer en famille. Mais ce mercredi 6 septembre, son séjour a pris une tournure dramatique. Wahima Chavez, ce geste d'un fan qui l'a profondément dérangé en fin de journée, la jeune femme a regagné sa maison et découvert un mot sur sa porte. Une demande de photo qui n'était pas la bienvenue, selon la copine de Camille Serre. Surprise par cette trouvaille, la petite amie d'un athlète professionnel s'est emparée de son compte Instagram pour partager sa grande frustration. Je ne peux qu'imaginer en vrai à quel point ça peut faire plaisir de rencontrer quelqu'un de connu, bien sûr. Mais je crois qu'il est important de se rappeler d'une chose essentielle, les limites. Je ne peux pas parler pour les autres, alors je vais parler pour moi, annonce l'ex-protégé de Sylvie Tellier semblant à bout. Wahima Chavez touchée par les comportements intrusifs de ses fans si elle estime qu'il est toujours un plaisir de rencontrer des gens, respectueux et polis, qui viennent vers, elle, pour discuter et échanger ensemble et partager un instant, la musicienne ressent le besoin d'instaurer une certaine distance. Et pour cause, venir jusqu'à l'endroit où je dors, pour moi, si est-il dépassé ma limite. Peut-être que si est-il parce que je ne l'avais jamais manifesté, peut-être que j'ai pris pour acquis que le privé relevait du privé, mais je trouve inapproprié d'aller jusqu'à chez quelqu'un, pour se satisfaire ainsi. Effaré, l'interprète de ton nom déjà se demande comment rester courtoise quand on se sent pisté, comment apprécier un moment de partage qui a été forcé et comment être aimable si chaque geste est épié. En conclusion, elle rappelle qu'elle aime parler avec ses fans, mais qu'elle ne souhaite pas être considérée comme un objet pour des photos.